Lyon de hier vendredi, qui était 1er septembre 2023, à jeudi samedi, hein, qui c'est 2 septembre 2023, nous recevoir environ une cinquantaine d'appels dans Exploit. Donc, une question que Mounio a posée. Exploit, est-ce que c'est vrai, USCIS vous dit, ce dossier m'a gagné 6 mois en dedans, moi qui a écrit pour vous approuver le dossier. Bah, elle m'a fait ça. Cependant, maman des blogueurs, bah, ils ont une chance, ils n'ont pas qu'à prendre plus de stress que ça. Mais qui est-ce qui est vérité? Je vais regarder là, sur page USCIS là, je vais regarder là, moi sur page USCIS là, et ma by Zoom pour que tout le monde puisse voir. Ok? Moi sur page USCIS, dans la série questions-réponses. Mais qui ça dit? M'appeler en anglais pour nous, et puis m'a traduit. Je ne vais pas mettre la version créole là, parce que très souvent, traduction n'est pas fine trop correcte. Donc, m'a quitté la version anglaise, et puis m'a traduit pour nous. Lisons là. If the processing time of my form I-134A is taking longer than expected, should I submit a new form I-134A? Ça veut dire, si, tant que vous prenez le process form I-134A, prend plus tant que ça me tape à temps, est-ce que nous devons soumettre sur l'autre forme I-134A? Mais qu'est-ce qui répond là? Non. Potential supporters cannot submit a duplicate form I-134A for the same beneficiary. Moun ki sou supporte potentiel, pa ka soumet yon form I-134A 2 fois pou men moun nan. We will not accept a duplicate form I-134A when a form I-134A filed by the potential supporter on behalf of the same beneficiary is already pending. Nous ne pouvons pas accepter une deuxième forme I-134A, le yon supporter potentiel de qui nous soumettre yon autre forme I-134A, non, non, on bénéficie et que forme ça li en attente. Lizzy, you can monitor the status of your form I-134A in your USCIS online account or check your most recent status in case status online. Ou capable de checker, ou capable de monitor statut forme I-134A ou là, sous compte USCIS que vous avez en ligne, ou bien ou capable de checker li sous statut dossier en ligne. Please, note that the USCIS Contact Center cannot provide any additional information on the status of your case. S'il vous plaît, prends en considération que service à la clientèle USCIS là, Akaba ou plus information que soit joué en ligne pour le show là. Y aller plus loin, et c'est là qu'un paquet de monde brazo que USCIS dit que si dossier a gagné plus que 6 mois pour contacter ou pour approuver le pour. Mais écoutez, moun yo joué ça a dit. USCIS dit, m'a souligné le pour, voilà. We will only accept an inquiry if the form I-134A file on your behalf has been pending more than 6 months. Qui ça dit? N'a pas accepté que ou parler nous, ou bien n'a pas accepté pour vous une requête sous dossier là, si et seulement si dossier là est pending pour plus que 6 mois. This include inquiries submitted through the secure mailbox in your USCIS online account. Parmi les inquiries que nous avons accepté que vous voyez, c'est un message que vous voyez sur le mailbox que vous gagnez, sur le compte en ligne que vous gagnez avec USCIS. Là. Please note, this is a default time frame for inquiring, and you should not necessarily expect a decision on your form I-134A in that time frame. Il dit, s'il vous plaît, voulez-nous prendre en considération que time frame ça, 6 mois ça que vous dites, c'est 6 mois par défaut. Et ou pas de attendre que, après 6 mois, ça, yon pral pren yon décision dans le dossier ou là. Mais qui ça qui fait un pile monde à l'armée publique là? Message ça. Et c'est pour message qu'il a aujourd'hui.
Son message qu'il a depuis les processus-là est déjà commencé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est tant qu'on t'a dit ou que ou ben me font bagaille pour. Moi, pas dit exactement dans combien de temps m'a fait. Mais sauf que me dit ou que si ou t'a ouais, on semaine passée, moi pas bon résultat sur lui, à partir de ce moment, ou qu'a toujours relé pour demander qui ça fait ou pourquoi j'ai un résultat. Mais ou pas nécessairement obligé relé. Allez bien, oui. Ça veut dire, un jour m'est passé par relé sur ça, parce que me dédure en semaine, deux jours m'est passé par relé, quatre jours passé par relé, cinq jours passé par relé. C'est après une semaine que, si vous voulez, ou qu'a contacté à propos de statut dossier là. Mais vous précisez pour vous que vous n'avez pas nécessairement besoin de les USCIS d'ailleurs ou qu'à checker le statut dossier là en ligne. Donc, ça fait un monde dire que si 6 mois passés et que vous n'avez pas approuvé, USCIS dit que vous pourrez les plus qu'à approuver le dossier, pas de rien pour vous avec vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est que il y a plus de 2 millions de monde qui appliquaient dans le programme ça. Parmi 2 millions de personnes qui appliquent dans le programme, nan, chaque mois, il y a prend seulement 30 000 personnes. Et dans 30 000 personnes qui apprennent chaque mois, il y a départagé entre 4 nations. Haïti, Venezuela, Cuba, avec Nicaragua. Et donc, si vous divisez 30 000 par 4 pays, vous apprenez qu'en moyenne, vous apprenez seulement 7 500 personnes par pays chaque mois. Donc, ou mettre pas trop fort dans mathématiques, ou déjà comprendre que si il y a 2 millions de monde et plus que ça qui appliquent nos programmes, que apprend seulement 30 000 monde là dans le mois, il est normal que dossier là prend tout le temps ça dans les USCIS. Nan, on a toujours dit mais moi il y a monde qui appliqué dans août là, il y a monde qui appliqué dans juillet que on a approuvé. Nous te font vidéo sur ça déjà. USCIS gagne deux façons que le traiter dossier. Le traiter de manière aléatoire. Aléatoire, là, ça veut dire que, au hasard, son système automatique qui pape li pron moun. Moun sa, quand on moun qui est appliqué dans la minute que je parle avec moi, moun sa, quand on moun qui est appliqué depuis en janvier. Son système automatique qui prend moun sa. C'est ça qui fait que vous avez besoin que, ou cas appliqué jeudi à même, vous approuvez aujourd'hui. D'autre part, gon l'autre approche que USCIS utilise, qui est une approche chronologique. Parce que j'aime bien dire déjà, chaque jour, USCIS traitait 1000 dossiers, en raison de 30 000 le mois. Dans 1000 dossiers au traité, il y a 500 que vous traitez de manière aléatoire, ça qui permet que yon moun ka appliqué aujourd'hui, yon approuvé aujourd'hui, il y a 500 autres dossiers que vous traitez de manière chronologique. Ça veut dire, moun qui était là avant. Dans dossier que vous traitez de manière chronologique, jusqu'à présent, selon information que moun gagné, USCIS a travaillé avec moun 20 et puis 21 janvier. Donc, pas de aucune raison pour un monde alarmé public là pour aller faire tout un public relais USCIS. L'on fait ça, c'est retarder qu'on retarde le travail USCIS plus. Donc, on suspend alarmé mon yo. On plutôt pote information qui capable utile yo. On plutôt dit mon yo que pendant attendant apprendre anglais plutôt parce que il y en a que remarqué monde qui vient ici qui parle anglais déjà depuis en Haïti les plus facile pour yo intégrer dans société américaine les plus facile pour que yo intégrer yo dans marché de travail américain. Mais l'autre bagaille pour comprendre tout le latino a entré ici lui-même m'a parlé de vénézuélien cubain li fait shitwork li fait céramique li fait plomberie ça qui permet que les plus facile pour que li jouer notre travail qui mieux paye. Alors que en pile nan haïtien kap antre yo, yo pa vraiment gen rien en ce qui a trait avec yo carrière technique nan men yo. Ça qui vient rendre que li plus difficile pour jouer notre travail qui bien paye yo. Nan période 2 3 4 5 6 mois ça que mon nan fait l'attend nan, li te ka toujours apprendre yon cours technique, ça ka rendre que le vinicite li ka utile tête li. Bay moun yo genre d'information ça hôpital au lieu d'alarmer un public qui déjà n'a pas pris plus que ça. Situation difficile en Haïti. Il y a des gens pour le moment qui ont dominé dans la rue. Et même les gens qui ont dominé dans la rue, ils ont des dossiers en dents que l'abtan.
Lors du monde ça USCIS dit que si gen 6 mois il supposé rele pour approuver dossier. Ou pas imaginer Jean voilà en même monde ça. Et ou pas imaginer tout que le monde ça a fini rele USCIS, li pas joindre réponse que le tap tan nan qui désespoir et découragement ou mettez la caille monde ça. Donc on font camper sur ça. On baï moun yo information qui ca utile de préférence. Ba même fait genre de vidéo ça parce que j'aime toujours dire on pas travailler sur réseau pour craser travail aucun autre monde. Nous chaque cap font bagaille qui différent et qui utile aux société a. Mais leur fait n'a sens pour alarmer tout ton public pour la cause plus de 50 monde relé dans 2 jours seulement pour poser même question. Nous pas seulement déranger moun yo, nous déranger moi-même tout.